Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où on va faire un petit tuto sur comment changer l'électronique dans des LED AquaLED Z150 V2 quand ça tombe en panne. Parce que bon, ça peut arriver, ça m'est arrivé, j'ai changé l'électronique, c'est très simple à faire. Je vais vous montrer, il suffit d'un tournevis cruciforme et c'est fait. Donc je vous montre ça en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant, si vous avez une petite panne d'électronique sur ce type de lampes qui sont vraiment super bien pour les démonter, faire la maintenance, donc c'est vraiment bien pensé, vous serez plus à l'aise pour le faire.
N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça pour voir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, si vous avez besoin de l'aide, pensez à Aqualed. Franchement, les LED qu'ils ont, elles sont bien. Et en plus, le SAV est très, très performant.